Rivka, le travail de la laine. Tu as bu, ton jugement a une forte tendance Quand j'ai bu, mon jugement? Parce que je bois du vin à table? Quel mal y a-t-il à cela? Cette femme est une menteuse, Rivka. Tu ne devrais pas l'écouter. Non, attends. Oh, Mariam, Dalia, entrez. 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 Asseyez-vous. Dis-moi, comment va ta mère? Rivka, je me suis emporté et je voulais... Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne peux pas croire que Moussa envoie sa fille pour s'acquitter de ses impôts. Cet homme est un vrai lâche. Oh, ma chérie, je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire. Mon mari n'est pas lui-même aujourd'hui. Ce n'est rien. Je t'apporte des dattes que mère veut t'offrir. En remerciement de ce que tu as fait pour elle. Je suis très touchée. Merci. Maintenant, venez. J'aimerais aller voir ta mère et ta sœur, et j'ai besoin d'air frais. Tante Rivka. Bienvenue. Comment vas-tu? Bien. Comment va ta mère aujourd'hui? Beaucoup mieux. Elle est chez Amira pour s'occuper de ses enfants malades. C'est bien ta mère, ça. D'aider les autres alors qu'elle va elle-même à peine mieux. Je suis sûre que ça lui fait du bien. Oui. Et toi, comment vas-tu, Sarah? Tu dois être fatiguée. À t'occuper d'elle, de toute la maison. J'ai été assez fatiguée ces derniers temps. Je suis enceinte. Encore. Oh. Et tu es inquiète. Tu as peur de faire une autre fausse couche? Ayoub et moi pensons quitter la Judée. Nous voudrions aller à Antioche où ses parents habitent. Bien. Mais comment voyager si je suis enceinte? Et pourtant, je trouve qu'attendre serait tellement... inutile. Mais pourquoi? Parce que je perdrai certainement ce bébé. J'ai l'impression que Dieu s'est éloigné, Tante Rivka. Je ne sais même plus comment faire pour prier. Il fut un temps où les disciples de Jésus se croyaient abandonnés par Dieu. Vraiment? Oui. Ils se trouvaient dans une barque, traversant avec Jésus la mer de Galilée. Jésus s'endormit dans le bateau et une grande tempête s'éleva sur le lac.
Les disciples eurent vraiment peur pour leur vie. Tout comme tu as peur pour la vie de ton futur bébé. Et la peur des disciples était tout à fait compréhensible. Le bateau se remplissait d'eau, risquant de couler. Alors, ils le réveillèrent. Et ils lui dirent, « Seigneur, ne prends-tu pas soin de nous ?» Il se leva. Il réprimanda le vent et les vagues. Il répondit à leurs cris, à leurs besoins. Et puis, il les désapprouva. Il s'adressa à ses amis. « Où est votre foi ? » Était-ce mal que les disciples viennent réveiller Jésus et qu'ils crient à lui dans leur détresse ? Je ne crois pas. Non. Le problème, c'est qu'ils ont demandé s'il s'occupait d'eux et qu'ils doutaient qu'il ait le pouvoir de les aider. Pourtant, il prenait soin d'eux et avait le pouvoir de les aider. Comme il le fait pour toi et moi. Moussa Barjona, le tailleur de pierre, est là? Non, c'est mon père! Il est réquisitionné pour la reconstruction de Beyrouth. Il doit se présenter à la forteresse dans 2 semaines. Père doit aller à Beyrouth. Les soldats l'ont dit. Je dois montrer ça à Père. Viens, Nouri. Et maintenant ça? Je suis désolée. Ils ont appelé Naoum, notre voisin, il y a 1 an, et il est mort dans un accident. Les temps sont difficiles. Ça fait vraiment trop, Rivka. Où est Dieu à présent? Tante Noura, entre. Je passais par là, j'ai vu les soldats à votre porte. Que voulaient-ils? Apporter une convocation. Père doit aller à Beyrouth. Beyrouth? Oh, que d'ennui, mais que d'ennui. Et mon pauvre Yusha n'est plus là pour aider. Désolée, Noura. Il m'a quittée l'an dernier. Maintenant, il est avec ses ancêtres. Grâce aux Romains. Tu as bien tenu le coup, Noura. Bien tenu le coup? C'est ce que nous faisons. Nous tenons le coup. Mais où est Dieu? Nous a-t-il oubliés? Viens, c'est par là, Nouri. Allez. Dans de tels moments, il est tentant de penser que Dieu ne s'occupe pas de nous. Mais Dieu a le regard sur nous. Surtout dans ces moments difficiles. Dieu nous aime et veut que nous goûtions à son amour. Il voulait que nous fassions partie de sa famille. Rappelez-vous le jardin tout au commencement. Dieu créa l'homme à son image. Dieu marcha avec l'homme et la femme dans le jardin, dans la fraîcheur du soir. Mais ensuite, leur rébellion les sépara de Dieu. Leur faute les força à fuir. Ils étaient honteux, effrayés. Mais même dans leur rébellion, Dieu alla à leur recherche. Tout comme Jésus.
vint pour nous chercher. Quand il vint ici sur Terre, pour vivre parmi nous et mourir pour nous. Porter notre péché, notre honte, par son amour et son sacrifice. Nous sommes de nouveau accueillis dans la famille de Dieu. Quand nous confessons nos péchés et acceptons son sacrifice pour nous, nous avons à nouveau accès à notre Père Saint. Nous devenons ses fils, ses filles. Tu veux dire que je peux être fille de Dieu? Oh oui. Un membre de sa famille. Mais ne faut-il pas être parfait pour faire partie de sa famille? Je ne suis pas comme Jésus. Je ne suis pas parfaite. Moi non plus. Parfois, nous aimons prétendre que nous le sommes. Je suis une vieille femme, trop âgée pour le prétendre. Aucun d'entre nous n'est bon réellement. Comme cette laine? Sarah, que vois-tu? Une laine sale, avec des cailloux et des petits bouts de bois. Très sale. La mienne l'est davantage. Mes moutons se salissent plus juste pour m'embêter. Ils Noah. Savent que je suis une vieille femme qui n'a plus de mari. Je suis sûre que ce n'est pas vrai, Noah. Mais Sarah, que deviendra cette laine? Qu'as-tu prévu d'en faire? Je pensais en faire un tapis pour Ayoub et moi, pour notre nouvelle maison à Antioche. Est-ce qu'il sera beau? Oh oui. J'ai de la teinture de noisettes et d'insectes. Donc, tu vois, cette laine telle qu'elle est maintenant? Sale. Mais dans ton esprit, tu peux aussi la voir telle qu'elle sera une fois lavée, cardée et brossée et transformée en tapis. Oui. C'est pareil avec Dieu. Il te voit tel que tu es maintenant. Mais il te voit aussi tel que tu seras quand il aura achevé son œuvre dans ta vie. Donc, Dieu sait que je suis salie et embrouillée comme cette laine, mais il me voit tel que je serai quand j'irai au ciel. Oui. Dieu a commencé cette œuvre magnifique en toi quand tu t'es engagé à suivre Jésus. Et il va terminer ce processus avec toi parce que tu fais partie de sa famille maintenant. Parfois, la vie c'est comme garder cette laine. On est tiré, étiré et on devient si fragile. Parfois nous sommes presque brisés. Oui, Noah. Et nous souffrons. Oui. Comme la laine qui doit bouillir dans la teinture. C'est un long travail, n'est-ce pas? Notre bienheureux frère, l'apôtre Paul, qui est en prison en ce moment à Rome, a écrit dans l'une de ses lettres que nous sommes l'ouvrage de Dieu dans le monde, créé en notre Messie Jésus, pour faire les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance que nous fassions. L'ouvrage de Dieu? Eh oui. Regarde ce tapis. Qui l'a fait? C'est moi. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de temps? Oui, vraiment beaucoup. As-tu eu du plaisir à le faire? En grande partie. Et surtout maintenant en le regardant. Mais tout ce qui est beau prend du temps pour devenir parfait. Le processus est long. Et notre voyage sur Terre est long. Lent. La vie est longue au milieu, mais elle est courte à la fin. Un nuage de fumée, un instant, et la vie s'arrête. Mon pauvre Yusha. Oh, Noah.
si tu mets ta foi en Jésus et entres par lui dans la famille de Dieu, tu pourras parler à Dieu, ton Père, et lui apporter tes soucis, tes joies. Notre apôtre Pierre dit que nous devrions lui remettre nos fardeaux, les déposer sur ses épaules, parce qu'il veut les porter pour nous. Mais comment faire cela? En s'adressant à lui? Oui! Tu peux tout lui dire, tu sais. Tu nous montres un Dieu si proche? Plusieurs ont ainsi mis leur foi en Jésus, et il est proche d'eux. Et il veut être proche de toi. Tu dois le prier. Et lui dire que tu veux le voir. Commence par là. Je pense que je vais réfléchir à ce que tu viens de me dire. Mais maintenant, je dois retourner auprès de mes moutons, sales. Je prierai, comme tu dis. Père. Mon enfant. Mariam. Ça vient des soldats romains. Je dois partir pour Beyrouth dans quelques jours. Beyrouth ? Ils ont besoin de moi pour reconstruire la ville. Cet Agrippa, il se dit notre roi, mais ce n'est qu'une marionnette romaine. Qu'en a-t-on à faire de ce qui se passe à Beyrouth ? Ne le fais pas, père. Pourquoi aiderais-tu ce traître, Agrippa ? Daoud, ne parle pas de cette façon devant ton petit frère. Tu ne veux pas qu'il sache la vérité. Que veux-tu donc, mon fils ? Faire venir l'épée de Rome sur toute notre famille ? Ferme ta bouche. Pense à Nouri. Pense à tes deux sœurs. Et pense à ta mère. N'y va pas, père. Même Mariam le sait. Même Nouri le sait. Ce ne peut être la volonté de Dieu. Ne leur obéis pas. Tu sais qu'ils vont profaner le temple de notre Dieu. Si tu les aides maintenant, ça s'arrêtera quand ? Daoud. Tu sais très bien que je dois y aller. Dieu sait qu'il le faut. Mon fils, tu sais ce qui arrivera si je refuse.